Je suis agent général d'assurance Areas. J'ai un mandat pour représenter la compagnie Areas Assurance. Et donc mon métier, c'est de gérer et de développer une agence d'assurance. Voilà, donc j'ai des sociétaires et je m'occupe d'eux au quotidien à travers différentes tâches. J'ai commencé, alors j'ai un parcours plombant assurance puisque j'ai commencé après le bac par un BTS assurance, donc une spécialisation. Et ensuite j'ai effectué une licence en alternance banque assurance. Et enfin j'ai été embauché chez AXA comme collaborateur d'agence. De ce fait, depuis septembre dernier, je suis agent général, c'est-à-dire qu'auparavant j'étais collaborateur d'agence, et là je suis devenu agent général, j'ai inversé les rôles en quelque sorte. Le principe, c'est vrai que ce qui m'a intéressé, c'est que c'est une agence qui est bien située. Le passage et la situation géographique est très importante. Le fait que je sois aussi rennais d'origine est forcément un atout. Et situé route de Lorient, en face du stade rennais, avec beaucoup d'entreprises à côté, c'est aussi un atout important. Au-delà de ça, la taille de l'agence est très importante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas trop petite. J'ai un minimum de sociétaires pour pouvoir bien travailler déjà et avoir une collaboratrice. Et j'ai aussi de belles perspectives de développement du fait qu'elle ait une taille modeste. Sur les qualités, avant tout être dynamique, aimer les gens, c'est important parce que le relationnel, c'est notre quotidien. Nous voyons nos sociétaires, nous occupons d'eux pour plein de choses différentes. Donc c'est important d'apprécier les gens. Au-delà de ça, être très rigoureux parce que l'assurance entraîne une responsabilité de plus en plus importante de notre côté. Et c'est important de faire du travail de grande qualité pour que notre travail justement ne soit pas remis en cause le jour où il y a un sinistre par exemple. Donc la rigueur, aimer les gens et faire preuve d'un dynamisme commercial, c'est-à-dire voilà, être prêt à se retrousser les manches pour aller chercher des affaires à l'extérieur. Ça c'est important aussi. Voilà. Écoutez, il faut bien s'imaginer qu'on reprend une agence, c'est vraiment un investissement à tout point de vue. Un investissement financier, puisqu'il faut racheter le portefeuille, donc c'est un engagement. Derrière, il y a, j'ai envie de dire en quelque sorte, une obligation de réussite, de résultat. Et au-delà de ça, c'est aussi un investissement personnel, puisqu'évidemment, étant à mon compte, il faut se démener et faire pas mal d'heures pour pouvoir avoir un bon retour sur investissement. Donc il faut ne pas hésiter à, du moins pendant les premières années, mettre un petit peu de côté peut-être sa vie privée et plus en avant sa vie professionnelle. Voilà.